C'est clair qu'au-delà de l'enseignement, il y a aussi la recherche. Dans ce que j'ai dit à plusieurs reprises, qu'il y a des liens entre les deux. Mais enfin, quelle recherche? De quelle recherche parlons-nous? Dans mon cas, je l'ai laissé entendre après mes études de doctorat à Singapour, où j'avais travaillé sur un sujet très pointu. J'avais quand même été exposé au cours de mes voyages et bien sûr dans mes lectures à des enjeux à plus grande échelle, un enjeu fondamental. La transformation des économies paysannes, particulièrement rizicoles, dans pratiquement tous les pays de la région. Parce qu'on est vraiment ici dans le domaine rizicole par excellence. Il y a du riz en Chine, il y a du riz au Japon, à Taïwan, à la Corée, etc. Puis en Inde, mais la région où la part du riz dans l'agriculture est la plus élevée, et de loin, c'est le sud-est asiatique. Ce n'est pas une monoculture, mais sur le plan culture vivrière, c'est vraiment le Vietnam, la Thaïlande, qui sont les pays, et le Cambodge, qui ont la plus forte densité de riziculture par rapport au reste. Proportion de riziculture. Bon, bref, j'ai été exposé à ces paysages-là, à la lecture sur ces communautés-là. J'avais l'occasion d'en visiter, bien sûr, avec des copains ou avec des profs, dont un ou deux qui faisaient des travaux en Malaisie. Et donc, j'avais déjà résolu, avant d'atterrir à Québec et à l'Université Laval à la fin de l'été 70, que j'allais poursuivre dans cette voie. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à monter, si je puis dire, je pense que c'est le terme qu'ils font bruit, un projet de recherche de l'analyse de l'impact de la révolution verte dans deux pays, la Malaisie et l'Indonésie, en collaboration avec un prof de Sciences Po que j'avais connu bien connu à Singapour, un jeune prof qui était devenu un grand ami, qui l'est toujours, et avec lequel on avait convenu avant que je quitte, on remonte quelque chose, puis on a correspondu, puis j'ai tâté le terrain, savoir où je pouvais m'adresser pour faire financer une paire de recherche qui impliquerait des enquêtes dans des villages pour mesurer, je reviens à une chose que j'ai évoquée plus tôt, les conditions de la diffusion de l'innovation dans la riziculture moderne, dans l'intensification, les techniques d'irrigation, la double récolte, les engrais, pesticides, insecticides, etc. Ce qu'on appelle l'intensification de l'agriculture. Donc, idéalement, dans deux pays comparables sur certains plans, notamment culturels, malais et indonésien, parlent la même langue. Vous savez, le malais est à l'indonésien, ce qui est le québécois, je peux dire, au français. C'est l'Indonésie qui parle la langue plus châtiée, plus grammaticale, plus claire, et les Malais qui la parlent de façon un peu plus, comment dirais-je, un peu moins surveillée. Et donc, on avait commencé à monter cela, et j'ai aussi conclu qu'il fallait que j'apprenne l'indonésien. Et est-ce que j'ai mentionné ça? Je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai dit, je crois que oui, Hélène et moi, on avait appris un peu de malais. La virée qu'on avait faite en Indonésie, on s'était un peu familiarisé un peu plus avec l'accent indonésien, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus clair. Les Indonésiens articulent beaucoup plus que les malais. Mais bien sûr, ça ne nous autorisait pas à aller faire des enquêtes dans des villages. Et donc, pendant cette année-là, j'ai préparé aussi un stage de formation linguistique à l'Université d'Hawaï pour l'été 1971, alors qu'Hélène et moi, on est allés donc à l'Université d'Hawaï. On a eu une petite subvention de l'Université d'Hawaï, puis du CRDI, auquel j'avais déjà soumis le projet d'analyse de comparative de la Révolution verte. Et c'est moi qui ai obtenu un appui du CRDI. Et l'Université d'Hawaï nous avait donné à l'un à l'autre, et à moi, un petit appui aussi. Enfin, bref, on a pu se permettre d'aller dans cette fantastique Université d'Hawaï pendant l'été 71, 12 semaines de cours intensifs, 8 heures de cours par jour, avec d'autres, des jeunes, presque tous des doctorants, qui travaillaient sur le sud-est asiatique, qui s'intéressaient bien, donc plus spécifiquement à l'Indonésie. Il y avait aussi des cours de chinois. Vous savez, à Hawaï, en fait, à East-West Center, il y a une école de langue qui est une des meilleures du monde pour ce qui est des langues asiatiques, où on enseigne chinois, japonais,
Tagalog, Thaï, Vietnamien, etc. Et donc, l'Indonésien. Bon, j'en parle un peu parce que ça a été une expérience assez remarquable dans un lieu remarquable, particulièrement à l'époque où le tourisme était déjà développé, mais rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Parce que oui, c'est vraiment les îles Hawaï, même l'île d'Oahu qui est très urbanisée, mais surtout sa partie nord, et ce qu'on appelle Big Island, l'île d'Hawaï, et puis les autres îles, Kauai, Moai, etc., Molokai, Maui et Molokai, c'est fabuleux, c'est parmi les plus beaux paysages du monde. C'est des paysages volcaniques au cœur de l'océan, les mers sont merveilleuses, sont poissonneuses, etc. L'agriculture y était très intéressante, vous savez, il y a une agriculture de plantation, c'est multiculturel, il y a des couches, hein. Bien sûr les Polynésiens, mais aussi l'héritage colonial américain, et bien sûr l'immigration japonaise, philippine et tout. Bon, bref, c'est un milieu, là aussi, c'est un endroit qui m'a et nous a impressionné, où on a vécu, je pense qu'il faut que je le dise, intensément. On avait 8 heures de cours par jour, il fallait qu'on bosse 3 heures tous les soirs pour préparer nos examens. Bon, on a trouvé le moyen de faire du surf, etc. Bon, ça a été magnifique. On l'a connu, bien sûr, beaucoup de gens, comme c'est le cas dans les campus de ce type, où il y a des gens de partout dans le monde qui viennent étudier. Et ça nous a bien préparé pour ce qui a finalement fonctionné, l'obtention de la subvention du CRD qui nous a permis, ou m'a permis, de poursuivre ce projet-là en collaboration, donc avec un chercheur indonésien que j'ai recruté au fil des étapes. Là-bas, dans la province d'Aceh, dans le nord de Sumatra, et donc le collègue politologue qui, à ce moment-là, avait quitté Singapour et était rendu à l'université de Penang, dans le nord de la péninsule malaise, où on avait comme objectif donc de mesurer l'impact de la révolution verte parmi les communautés paysannes d'Indonésie et de Malaisie, en prenant bien sûr des régions restreintes. L'Indonésie, c'est immense, c'est près de 2 millions de kilomètres carrés. On était à Aceh, dans le nord de Sumatra, et dans la plaine de Kedah, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la région, des éléments de la province de Perlis et la province de Penang. Et l'autre objectif, je le répète, c'était de mesurer l'impact. Qu'est-ce que ça donne aux paysans d'innover? Est-ce qu'ils s'en sortent mieux? Est-ce qu'ils ont et ça améliore leurs conditions? Est-ce que ça leur permet d'obtenir une meilleure éducation? Et comment est-ce que ça a un impact sur ce qui était un grand débat à l'époque, qui en est encore un à la limite? Est-ce que la révolution verte améliore le sort de la majorité ou de la minorité? Et surtout, est-ce que ça n'accroît pas les inégalités? Ce qui était la thèse de plusieurs auteurs majeurs à l'époque. Que ça accroissait les inégalités, que c'est les riches qui innovaient plus vite, etc. L'étude qu'on a faite, ça a été un gros truc. On a étudié 32 villages, ça a duré 4 ans. On a recruté de nombreux étudiants, tant à Penang qu'à Aceh. Il faut savoir qu'à l'époque, un dollar canadien, ça allait loin. Et même si la somme n'était pas énorme, la somme qu'on avait réussi à obtenir du CRD était suffisante pour recruter des étudiants sans les exploiter. Alors, les intéressants au problème de la recherche, ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui ont fait des maîtrises éventuellement en comté, que certains ont continué à faire des doctorats ailleurs, y compris à Cornell aux États-Unis. Mais là, je vais être en besogne. La recherche elle-même, donc, a nécessité des enquêtes. On a d'abord faire des monographies de villages la première année. Ensuite, on a fait des échantillons dans ces villages-là. On a fait des enquêtes auprès d'une trentaine de familles dans chaque village, ou 30 répondants, avec leur famille, bien sûr. Tout ça pour dire que cette énorme documentation de plusieurs centaines d'entrevues, à une époque où justement, je rappelle que j'ai mentionné que m'étais un peu familiarisé avec les méthodes d'échantillonnage, les règles de base à respecter quand on fait des enquêtes, non seulement au plan éthique, mais au plan méthodologique, au plan scientifique. Il y a certaines questions qu'on ne pose pas ou qu'on ne pose pas dans tel ou tel ordre. Ça peut paraître banal, mais on ne demande pas aux gens est-ce que vous faites plus d'argent depuis que vous employez des engrais. On ne commence pas par ça. On fait l'historique de l'utilisation des engrais et tout le bazar. Puis l'éducation des enfants. Tout ça pour dire qu'au bout de 3 ans, 4 ans en fait, ça s'est terminé en 1975, ça nous a permis d'en arriver à un certain nombre de conclusions, publier des bouquins, des articles. Et parmi les conclusions importantes, il y en a une qui n'était pas très populaire, et qui n'a jamais été non plus, qui n'est pas, c'est que la thèse selon laquelle les riches accaparent tout de suite l'innovation, en fait, elle n'était pas si évidente, dans la mesure où on a pu montrer que dans le cas de la Malaisie, ou pour des raisons liées à la nature de la relation politique entre l'État et la paysannerie,
à savoir que l'État, qui est très malais, techniquement, le gouvernement malaisien est largement dominé par les malais, a besoin de l'appui politique de la paysannerie. Un peu au même titre qu'au Japon, la paysannerie japonaise a toujours joué un rôle électoral important pour l'élection du Parti libéral qui est resté au pouvoir si longtemps. C'est toute chose que mon collègue Bernard Bernier, d'Anthropologie et Nation Morale, connaît et explique très bien. Il y avait un peu ce type de relation en ce sens que l'État était prêt à soigner la distribution de l'innovation, à s'assurer que tous les paysans malais, y compris les familles avec des petites parcelles, qui, par exemple, même pas propriétaires de leurs parcelles, donc les tenanciers, puissent bénéficier des innovations, aient accès aux programmes d'aide, aux programmes de formation, aux techniques d'encadrement de l'utilisation de l'irrigation, puis donc de tout ce qu'on appelle les intrants d'origine industrielle, en gros, engrais chimiques, pesticides, insecticides et semences, bien sûr. À une époque où, justement, les Monsanto de ce monde ne sévissaient pas encore. Et donc, nous, ce qu'on a réussi à montrer, c'est que, si je puis dire, dans le domaine en question, je crois que c'était important, et ça a été montré dans un bouquin qui s'appelait « Agricultural Modernization, Poverty and Inequality », publié en Angleterre en 1980, c'est que, justement, là, on avait un cas où l'État, contrairement à ce qu'il fait presque partout dans le monde, c'est-à-dire encourager l'entrepreneurship des grands, des puissants, au détriment des petits, qui deviennent des travailleurs, des salariés, ce qui fait l'affaire du capitalisme planétaire. Il y a des parallèles à établir partout dans le monde. La prolétarisation des agriculteurs est quand même un des moteurs du développement du capitalisme, tant à l'échelle historique qu'à la limite contemporaine. Regardez, ça marche à l'échelle internationale maintenant. Les travailleurs de l'agriculture, ils viennent de pays tels que le Mexique pour ce qui est de l'Amérique du Nord. Et en Asie du Sud-Est, de plus en plus, les travailleurs pauvres d'Indonésie vont dans les plantations en Malaisie, les Philippines, etc., travaillent un peu partout. Bon. Je vais vite là, mais je veux quand même souligner que c'est un enjeu important, celui-là. Et donc, nous, ce qu'on a montré, c'est que si l'État prend les moyens de s'assurer que l'innovation se rende entre les mains des moins éduqués, des moins nantis, ceux qui ont moins de terres, ils vont tenir le coup, puis ils vont améliorer leur sort au même rythme que les riches. Bon, il faudrait que j'aille plus loin, de façon plus nuancée, mais en tout cas, ça, c'était, je crois, un des résultats, du point de vue scientifique, important de ce projet. Moi, ce que je retiens beaucoup de plusieurs de ces projets-là, parce qu'il y en aurait eu plein d'autres, sur lesquels je vais parler brièvement un peu plus tard, c'est que, et ça a toujours été dans mon esprit, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qu'on découvre, ce qu'on croit avoir découvert, ce qu'on publie comme résultat de la recherche, ou la formation de ceux qu'on a embarqués dans la recherche. Parce que toutes les recherches que j'ai menées depuis lors ont presque toujours été des recherches que je qualifierais de collectives. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup de gens impliqués, plusieurs collègues, et surtout plusieurs thésards, des étudiants de maîtrise. Dans le cas de ce projet-là, là, qu'on avait appelé, j'ai oublié le nom, là, TASP, Technical and Social Progress of Peasant Farmers in Indonesia, Malaysia. Il y a eu aussi des premiers cycles, surtout pour les enquêtes de monographie de village, faire des recensements, des choses assez élémentaires. Et donc, on a formé des étudiants de premier cycle, sinon à la recherche, en tout cas, à leur montrer un peu ce que c'était, leur donner le goût, puis comprendre à quoi ça pouvait servir, mais aussi des gens de maîtrise et des gens de doctorat. Surtout maîtrise, en fait. Bon. Et bon, voilà, ça c'est 71-75. Après cela, moi-même, je suis retourné, comme je dis, sur le lieu du crime, je suis retourné dans deux des villages de Malaisie, littéralement 4 ou 5 étés. Là, c'est que je suis vraiment versé dans mon pendant un peu anthropologique. Je suis allé vivre dans ces villages-là, ou plutôt fréquenter ces villages-là. 80, 81, 82, 86, 87, j'ai oublié un peu, entre 5, 6 étés de suite, je suis allé là, passer à nouveau 3 ou 4 mois, parce que c'était donc des campagnes de 3 ou 4 mois chaque année. Dès que la fermeture des cours, faire les examens, 1er mai, je filais en Asie pour 3 ou 4 mois. Pendant plusieurs années, c'était avec Hélène, qui elle, en profitait pour approfondir ses travaux dans d'autres domaines, en histoire de l'art et dans les langues, éventuellement ses travaux sur Angkor Wat, parce qu'elle a fait sa thèse de doctorat sur Angkor Wat, le temple.
mais aussi plus tard, de plus en plus seul, parce qu'on avait une fille, et là, Hélène pouvait moins voyager. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu presque dans mon métabolisme d'être un transhumant, de me rendre en Asie tous les étés. Je suis donc retourné vers ces villages-là, et puis j'ai écrit ce qui pour moi est un livre, toute proportion gardée, important, Malay Peasants Coping with the World, où j'ai fait un peu la synthèse sur la base d'études diachroniques, hein, à partir de données qui avaient été recueillies dans le cadre du projet dont j'ai parlé tout à l'heure, du gros projet maléo-indonésien. Et donc, des retours dans ces villages-là, des retours au village plusieurs fois. Alors, ça m'a permis d'avoir des données sur deux générations, voire trois, et donc d'interpréter le véritable impact de la Révolution verte sur l'évolution des classes sociales, sur les rapports entre les entrepreneurs et les petits paysans, et sur certaines formes de prolétarisation. Et donc, de contribuer, je crois, au débat sur l'impact de l'innovation dans l'agriculture paysanne, et encore une fois, à une échelle plutôt large, quoi. Bon, quand je retournais en Asie comme ça à chaque été, et ça a été comme ça, ça dure, ça n'a jamais cessé. J'ai enseigné 46 heures, j'ai dû y aller, je sais pas, peu importe. Tous les ans, au moins une fois. Tous les ans, au moins une fois. Je suis très souvent passé par Singapour. Et Singapour continue à m'intéresser. Alors, je vais y revenir à ça. Parce qu'en fait, ce qui a dominé mon monde de la recherche, c'était quand même les enjeux agraires sur lesquels je continue à me pencher. Après avoir travaillé beaucoup sur l'intensification, je me suis intéressé à l'expansion de l'agriculture, c'est-à-dire une autre des politiques agricoles très répandues dans les pays, dans bien des pays du monde, et en particulier dans le sud-est asiatique, c'est-à-dire d'étendre le domaine agricole. Fondamentalement, on dépend de la forêt pour développer des cultures de plantation, qui sont intéressantes parce que ça rapporte des devises aux pays concernés, ça permet de développer des fronts pionniers qui permettent d'implanter des petits paysans en mal de terre dans les basses terres. L'Indonésie, c'est le cas classique, mais le Vietnam a fait la même chose plus tard sur les hauts plateaux. Les Philippines, en fait, le premier exemple, ce sont les Philippines à l'époque américaine, où les Américains ont à la fois développé les fronts pionniers vers le sud des Philippines à partir des zones plus densément peuplées du nord, c'est-à-dire l'île de Luzon puis les Visayas, vers Mindanao, des régions beaucoup plus islamisées. Ça fait partie des techniques de dilution culturelle classiques dans l'histoire de l'agriculture, où la majorité envahit le domaine des minorités, ethniques ou culturelles ou linguistiques ou les deux, par la colonisation par les paysans. Moi, j'appelle ça les paysans soldats. Parce que, et dans certains cas, dans l'histoire du monde, il s'est agi de soldats. Au Japon, avec Hokkaido, en Chine, etc. Mais là, on ne va pas faire l'histoire du monde, sauf à rappeler que c'est quand même une dynamique fondamentale dans l'histoire du monde que le rôle d'intégration territoriale joué par les paysanneries avec l'appui de l'État. Ce que j'ai appris, désigné dans un certain nombre de choses que j'ai publiées, l'utilisation de la paysannerie comme fer de lance territoriale de l'État ou le compromis territorial. C'est-à-dire où l'État appuie les paysans pour qu'ils gagnent du territoire pour lui, qu'il légitime sa présence sur ce territoire, qu'il intègre quelquefois politiquement dans son domaine, dans des contextes, des moments de l'histoire où les frontières ne sont pas vraiment établies. Il y a des cas quand même en Amérique latine, avec l'Équateur, le Brésil. Et où ensuite, les paysans dépendent de l'État. C'est l'État qui les a mis là, souvent très loin du foyer de population. D'où la nécessité que l'État demeure fidèle aux paysans et vice-versa. Bon. Ce faisant, je suis bien sûr tombé dans les forêts. Je me suis aperçu que, l'expansion de l'agriculture, ça a certains effets sur les populations colonisantes et colonisatrices, sur l'économie agraire des régions d'émigration, d'émission de populations migrantes ou migratoires. Migrantes, voilà. Mais aussi sur les populations locales, qui sont intégrées culturellement, et quelquefois tassées, pour employer une expression québécoise. Mais aussi sur l'environnement, parce que ça se fait très souvent au dépens des espaces forestiers, qui ont souvent été préservés par ces minorités ethniques. Dans le cas du sud-est asiatique, les minorités ethniques vivaient dans les forêts, dans les cas, les cultivaient par l'agriculture sur brûlis, mais ne les abattaient pas.
Bon, je n'entrerai pas dans le détail de ce que c'est que l'agriculture sur brûlis, mais disons que c'est une forme d'agriculture qui, lorsqu'elle est pratiquée selon les normes, est respectueuse de l'environnement et ne détruit pas la forêt. Elle utilise les cycles de recrudescence forestière pour se ménager une petite place agricole, un terrain agricole et en vivre. Bon, cette déforestation dont j'étais témoin, si je puis dire, m'a intéressé à la question des forêts, à la question de la déforestation. Alors, cycle de recherche, intensification de l'agriculture, expansion de l'agriculture et déforestation. Bon, tout ça, ça a duré, je sais plus, hein, ça commence donc début des années 70, ça dure, ça se change, mais je n'ai jamais abandonné, jamais cessé de m'intéresser à l'intensification de l'agriculture. Mais bon, c'était de plus en plus la question du rapport État-paysan, du rapport État-territoire, du rapport agriculture-environnement, parce qu'après tout, la première forme d'utilisation du sol de la planète, ça demeure l'agriculture, il ne faut pas l'oublier, ça. Les populations s'urbanisent, mais l'humanité emploie quand même, heureusement, plus de terres pour se nourrir, cultiver, que pour construire ses villes et surtout ses autoroutes. Bon, donc, ces trois cycles qui s'emboîtent jusqu'à ce que, lorsque je suis passé au service de l'Université de Montréal en 2002, après mes 32 années à Laval, dans un contexte où j'avais besoin de changer d'air et on me proposait de poser ma candidature à une chaire de recherche du Canada, ce que j'ai fait et ce qui a fonctionné, je suis venu m'installer ici à Montréal, notamment parce qu'il y avait une communauté de chercheurs sur l'Asie plus importante qu'à l'Université Laval, et puis que j'avais donc ce défi de pousser plus loin, avec des moyens plus conséquents, mes travaux sur la transition, ce que j'ai commencé à appeler la transition agraire. Vous savez, la transition agraire, c'est un grand mot qui veut dire tout simplement, qui désigne cet épisode dans l'histoire du monde, ou ce processus que traversent les sociétés, lorsqu'elle passe d'un stade où l'agriculture est le lieu des principaux rapports de production vers une, bon, pour un terme d'économie politique, vers un mode de production où c'est la production industrielle qui domine et ce sont donc les rapports de production de type industriel, c'est-à-dire propriétaire, salarié et salariat. Bon, alors ça, c'est la transition agraire, toutes les régions du monde les ont vécues. Il y en a qui n'ont pas encore vraiment achevé cette transition. Et l'Asie du Sud-Est, à l'époque, donc, au cours du dernier quart de siècle, était en plein dedans, et est en plein dedans pour la plupart des pays encore. C'est-à-dire que les pays s'urbanisent, s'industrialisent, mais l'agriculture est encore là, est encore importante. C'est quand même la première source d'emploi, c'est quand même la première source de moyens de subsistance, etc., ou de vie. Et c'est particulièrement intéressant de tester les théories, les hypothèses qui ont été formulées pour expliquer les mécanismes de la transition agraire. Marx a été un de ceux, bien sûr, qui ont beaucoup documenté ce processus. Bon, alors, une fois arrivé ici, dès mon arrivée, 2002 ou 2003, j'ai monté un gros projet, en collaboration encore une fois avec des collègues de plusieurs universités, dans le cadre du programme du CRSH qui s'appelle « les grands travaux de recherche concertée, où là aussi, bon, ce qui est proposé comme appui, c'est conséquent, mais il faut bien sûr que le problème de recherche, et non pas la problématique, c'est un mot que je refuse d'utiliser parce qu'il ne veut rien dire, les problèmes de recherche sont bien définis, la méthode à utiliser est bien définie, bien défendue, et où l'on fait valoir, bien sûr, que l'équipe mise en place peut mener la tâche à bien, qu'il y a un aspect formateur fondamental, puis ça, j'ai toujours tenu, on va former les étudiants, on va les impliquer, etc. Et donc, j'ai obtenu la direction de ce projet, ce qu'on a appelé « Challenges of the Agrarian Transition in Southeast Asia », CHATSI comme acronyme. Le terme avait été trouvé par mon ami Jean Michaud, l'anthropologue à l'Université Laval. Et puis, bon, vous savez, les acronymes, des fois, c'est utile, puis c'est resté ça. CHATSI, il y a beaucoup de gens dans le domaine des études du sud-est asiatique et agraires qui savent ce que ça veut dire. C'est ce projet-là qui a donc été opérationnel de 2004 à 2010, à peu près, oui, bon, mais qui a impliqué donc des études dans plusieurs des pays de la région, impliquant des chercheurs de 6 universités de la région, et des collègues et des chercheurs, des étudiants-chercheurs, et puis 4-5 universités au Canada, plus Durham en Angleterre, Bordeaux, et puis en Australie, Sydney. Je vais vite là, mais en tout cas, au total, j'ai plus 12-13 universités, une vingtaine de chercheurs,
Puis littéralement, plusieurs dizaines d'étudiants, quand ça s'est terminé, je pense qu'il y avait à peu près 65, 40 maîtrises, 25 doctorats, puis qui, donc, des gens qui n'étaient pas terminés, qui ont été terminés depuis. Bref, ça a marché, quoi. Puis surtout, en plan scientifique, je pense que la contribution n'a pas été négligeable. C'est pas vraiment à moi de le dire, mais disons que quantitativement, il y a eu beaucoup de publications, beaucoup d'articles, outre les thèses et les mémoires. Et quelques livres majeurs, dont des livres par des collègues excellents comme Tanya Lee, Jonathan Rigg, Philip Hirsch et Derek Hall, etc. Bon, et bon, moi-même, j'ai mis mon grain de sel, j'ai publié un certain nombre de choses. Et je pense qu'on a contribué beaucoup au débat sur les conditions de la transition agraire, sur les résultats de la transition agraire. Est-ce que la paupérisation des populations rurales est inévitable dans une transition agraire ou pas? C'est quand même une grande question. On ne l'a pas tranché, mais on a montré que dans certaines conditions, là aussi, je pense que je peux répéter ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet des premières découvertes du premier grand projet. Et c'est que finalement, dans toutes ces transitions-là, qu'on l'appelle la transition urbaine, la transition agraire. Quand on parle de la modernisation de l'agriculture, le rôle de l'État est fondamental. Si l'État décide d'appuyer et d'encadrer les mécanismes d'accélération de l'économie et des technologies auprès de tous, ça marche pour tous ou pour la grande majorité. Si l'État choisit son camp, comme il le fait de plus en plus dans à peu près toutes les agricultures du monde, y compris dans les agricultures qui se mondialisent et qui s'implantent dans les pays pauvres, ça accroît les inégalités, ça contribue à la paupérisation d'un nombre grandissant de personnes. Bon, je vais vite en besogne, mais j'insiste là-dessus. Vous savez, on dit tout, ah, c'est les multinationales qui mènent, c'est eux qui décident. Si l'État choisit son camp et dit, moi ou nous, les gestionnaires de l'État avons une responsabilité à l'endroit de nos populations, d'abord et avant tout, et non pas à l'endroit de l'économie mondiale. Les conséquences sont beaucoup plus acceptables du point de vue de la répartition de la richesse. Et ça, je pense que c'est une des contributions fondamentales des travaux que nous avons réalisés.